Oui, on a besoin d'un verre. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle map. Bientôt, j'en sais rien en fait. Décembre, faut attendre décembre. J'étais en train de penser à comment je vais. Alors déjà, on va regarder le feu un peu, ce qu'on a. On a encore 4 heures, on est tranquille. On pourrait même dormir encore un peu. C'est un peu le début de la journée. Fais voir un peu s'il fait froid ou pas. Ouais. Ouais, il fait froid. On peut dormir encore un peu le temps de d'être plein, mais est-ce que c'est vraiment utile? Alors ça on va laisser, ça on va laisser. Le bois on le laisse. On a le marteau, les outils simples, ça on le laisse. Très bien. On va regarder ce qu'on laisse en plus. Les pots on les prend. C'est quoi ce bruit? Le bruit. C'est un loup ou c'est un cerf? Ah, attendez, on va se mettre là, juste au cas où. Je dirais que c'est un loup. Non, non, peut-être un cerf en fait. Non, non, sinon c'est un cerf. Bref. Ok, on est chaud. Donc on a les fourrures. Excusez-moi. J'avais une épine plantée dans la main apparemment. Bref. Il y a des choses bizarres qui m'arrivent en ce moment, je crois. Deux fourrures. On a récupéré notre faitout. On a fait une hache et un couteau. Très bien. Nous avons 47 points de flèche. Donc on en a fait à peu près 45, je pense. Entre 40 et 45. Ah donc très bien, donc honnêtement on a quoi? On a encore 15 flèches je crois à la maison, donc honnêtement, on va être sérieux, je pense pas qu'on en refera. Je pense qu'on en refera jamais des flèches, enfin des têtes de flèches en tout cas. Ou alors c'est vraiment qu'on fait exprès, comme j'avais dit la dernière fois, c'est vraiment si on fait exprès de pas récupérer les flèches, de tirer à foison n'importe où, n'importe comment. Donc on est tranquille pour ça, et je crois qu'on avait 100 et quelques fûts de flèches, donc on est tranquille. Enfin, on est tranquille. Peut-être qu'on ira chercher. Je regarderai un peu où on pourrait aller. Où on n'a pas trouvé les bois. Parce qu'il doit sûrement encore rester des bois. Hein. La zone est très. Enfin, les zones sont très grandes. Donc, peut-être des bois pour récupérer encore plus de fûts de flèches. Les vêtements sont bons. C'est surtout le cache-oreille qu'il faut faire attention. Le reste est bon. Le reste est bon. Le pourcentage sont nickel. C'est si jamais on se fait attraper, évidemment. Ça aussi, c'est nickel. Ça, très bien. Je pense qu'on est très, très bien. Il y a même le livre qu'on pourrait virer parce que. Comment ça? On peut pas le lire. Non, ok, d'accord. Ah oui, non, mais je sais pas. Pour moi, je pensais que le bouton il disparaissait en fait. Si on était à fond. Ouais, on va pouvoir genre mettre le livre genre là pour faire style. Voilà. Parce qu'on n'en a pas besoin. Et on en a plein à la maison déjà, donc on va pas les. C'est pas comme si on pouvait faire une bibliothèque. Ça serait bien de pouvoir les mettre debout. Oh, ça serait tellement bien de pouvoir les mettre debout. On ferait des bibliothèques. Ce serait vraiment vraiment cool. On va dormir encore un peu. Déjà il fait froid. Donc on va dormir encore un peu. Ce qu'on pourrait même faire, c'est peut-être faire encore des steaks. Je sais pas trop. On va voir. On va dormir 2 heures. Et on va voir un peu comment ça se passe. Donc revenons à nos moutons avec notre nouvelle map. Comme j'ai dit, donc ça tombe bien parce qu'on tournait un peu. On tournait pas en rond exactement. Mais on va dire qu'on avait fait un peu toute la map. Voilà, là il fait un peu plus jour, j'ai l'impression. Donc ça doit être un peu moins chaud. On est sûr de ne pas avoir besoin du feu. Hein. Je voudrais être sûr que ça soit un cerf en fait. C'est emmerdant ça, le fait que ça soit derrière une colline. C'est bien un cerf? Ouais, un cerf là-bas. Ouais, c'est bon, c'est un cerf. On va regarder s'il y a des plumes. Et après on va revenir pour prendre... une torche. Il n'y a rien du tout. Et on va peut-être faire bouillir un thé.
Histoire d'avoir le bonus de chaleur. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Donc on n'a plus besoin du feu. On est bon. De toute façon, on n'a plus de métal. On n'a vraiment plus rien. On a vraiment, vraiment, vraiment plus rien. On a même si et ça en plus. Ouais, on a vraiment strictement rien. Ouais, on a strictement rien. Alors, on peut voir un peu. Dans 15 minutes. On va faire ça. Dans 5 minutes. Donc oui, alors je pense que... Parce que j'ai fait un peu la démonstration... Enfin, on va dire l'information. J'ai donné l'information comme quoi il y avait une nouvelle map qui arrivait dans un épisode de la survie du week-end. Je voulais pas faire vraiment une vidéo à part parce que bon, de toute façon, c'est 3 minutes. Je crois que l'intro, elle fait genre 5 minutes parce qu'on a qu'une seule image, c'est tout. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc du coup, ça sert un peu à rien de faire une vidéo juste pour ça et j'aime pas trop faire des vidéos comme ça. On va prendre ça et on y va. Quoique, attendez, on va peut-être en prendre plusieurs. Hop, allez, let's go. Alors, on va en prendre 2, ça suffit. Maintenant, on va au wagon rouge et on va déposer nos affaires là-bas. Et après, on ira à l'endroit de la photographie. Donc, c'est ce qu'on va faire et après, on rentre à la maison. Donc ouais, j'avais pas envie de faire juste une vidéo pour ça, c'est pas vraiment très intéressant. Du coup, pour la nouvelle zone, vu que je mets au public 2 épisodes par semaine, enfin 2 épisodes pendant le week-end, je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être sauter des épisodes, mais toujours les garder dans l'ordre. C'est-à-dire que les épisodes vont sortir tout le temps 2 par week-end, comme d'habitude. Bien sûr, vous pouvez directement tout voir si jamais vous êtes membre de la chaîne. bref, vous faites ce que vous voulez. mais par contre, pour l'épisode de quand il y aura la nouvelle map, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire en sorte que quand ça sort, nous soyons en fait à la maison. Et genre... on est prêt à partir en aventure, vous voyez. On ne conçoit pas en aventure déjà, qu'on soit pas genre à l'autre bout de la map ou à quoi que ce soit. Qu'on soit vraiment à 100% de vie, les vêtements tout bien rafistolés, tout ça, qu'on soit prêt à partir, vous voyez. Et après cet épisode, donc je le baptiserai sûrement genre nouvelle map, exploration de la nouvelle map et tout ça. Et celui-là, je le sortirai directement en fait. Je pense que je vais faire ça. Donc du coup... ça risque de faire sauter des épisodes dans un sens, parce que vous allez voir par exemple, on va dire que là on est quoi, l'épisode peut-être 80. Et genre par exemple demain, s'il y a la map sort, bah, vous aurez l'épisode par exemple 87. Donc il y aura un gap en fait entre les deux épisodes. Mais ce gap là en fait ce sera le déroulement naturel, normal de la survie. Mais pour l'épisode spécial de la nouvelle zone, je le sortirai en... quand il sortira, quoi, quand on aura la nouvelle zone directement. Parce que je sais que les gens vont être assez curieux de voir ça, et même moi, j'ai vraiment envie de découvrir, et après de voir ce que disent les gens et tout ça en commentaire. Donc comme ça, je montrerai directement ça. Je pense faire ça, ça a l'air pas mal. Mais encore une fois, voilà, je veux pas le faire en... genre avec un épisode composé... il y a un loup à gauche. Genre, je veux pas faire un épisode composé comme quoi... genre on finit par exemple la forge, puis après on va directement à la nouvelle zone et tout ça. Non, non, je veux qu'on commence directement aventure vers la nouvelle zone. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être cool, ça. Ça va être sympa. Donc en gros, c'est ce que je ferais. Dès qu'on a la possibilité de... Dès qu'on a la possibilité d'aller dans la nouvelle zone, on y va. Voilà. Pas un ours là-bas? Ou un gros caillou peut-être? Un ours ou un gros caillou?
Ça va, on n'a pas froid. Avec le bonus de chaleur et la torche, honnêtement, ça se passe bien. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on a la torche à la main. Et lui, il nous suit, là, relou. Bon, le wagon, il doit être par là. Ah, c'est encore un loup, fait chier. Passer par la droite alors. Ah oui, je voulais aller là. Qu'est-ce que vous en pensez? On teste ou pas? Putain, il y a des... Oh là là. On a une torche. On risque pas grand-chose. Mais... On va tenter un truc, je sens que je vais le regretter. Go go go. Oh mon dieu, c'est passé. Il peut pas tomber dans l'eau, lui ? Bon, attendez, on va se mettre là. Comme ça, il partira. Et on va faire le tour du petit îlot, là. Attendez, chut, arrête de bouger. Elle bouge beaucoup, hein. Elle a un sac qui, dans le dos qui est... Ah, très bien. Elle a un sac qui... Qui fait droite-gauche tout le temps dans son dos, ça fait extrêmement... Ça fait énormément de bruit. Ça, on n'en a pas besoin, ça fait 0,50 à chaque fois. La scie, on va la prendre. Là, normalement, il peut tomber dans l'eau. Parce que là, c'est où c'est que ça casse. Normalement, il devrait tomber dans l'eau. Ça me désole de voir ça. Moi, je veux un... Je veux trouver un... je veux tomber sur un loup gelé. Je veux tomber sur un loup gelé. Ah, attendez, on va en profiter. Non, mais t'es sérieux, là? Non, mais de toute façon, on risque rien. Voilà, très bien. Ah, toi, t'es emmerdant, toi. On va avoir froid dans pas longtemps. Ah, toi, reste en ligne droite. Reste en ligne droite! Ouh, Robin des Bois, mec! Robin des Bois, mec! Oh la vache! Ça t'apprendra. Qu'est-ce que j'adore l'arc, j'adore vraiment l'arc. Je pense que c'est extrêmement plus jouissif en fait de tirer à l'arc et de one-shot comme ça, avec le bruit et tout ça, la détente et tout, que de tirer au fusil par exemple. Je pense que c'est quand même beaucoup plus jouissif de faire à l'arc. Après le revolver est cool, moi j'aime bien aussi, j'aime beaucoup aussi le revolver, quand par exemple on avait fait l'événement du Dark Walker, où on était dans la crique lugubre avec les loups gris et tout ça, il y en avait plein partout en fait. Et on commençait à tirer droite-gauche. Ça c'était cool, ça c'était sympa à ce moment. Mais encore une fois, c'est différent. Donc c'est pas le même feeling. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après le fusil. Le fusil c'est pas. Ouais, c'est pas mon truc le fusil honnêtement. Bon, il fait pas extrêmement froid, on va en profiter pour prendre toutes les massettes, honnêtement. Il y en a plein là, c'est un peu abusé. On a toujours pas trop froid, donc ça va.
Là-bas, c'est d'où on vient, avec le cerf. Mais ouais, ça va être cool, honnêtement, la nouvelle zone. Ça va vraiment être cool. Parce que là, ça sera découverte en intrus. Mais pas genre intrus où on est à poil, quoi. Parce qu'on n'a pas commencé maintenant. On a commencé il y a 200 jours. Donc, là, on sera vraiment, j'espère, prêt pour tout. Et que ça se passera bien. Donc ça, c'est assez excitant, quoi, de le faire comme ça. Ça va être cool. Il y a plein de massettes partout. Après, il y a des gens sur le Discord qui m'avaient demandé qu'est-ce que j'attends de la nouvelle zone, ou qu'est-ce que j'espère trouver, ou alors des choses comme ça. Et vous pouvez le partager dans les commentaires, évidemment. Qu'est-ce que je voudrais, moi, personnellement? Après, c'est un peu la préférence de tout le monde, mais on sait par exemple que dans l'histoire, il y a un peu une histoire de l'aurore boréale avec possiblement genre des tests militaires ou des trucs comme ça. Enfin, pour moi, ça, l'intrigue avait l'air de partir un peu par là. Donc, mais après, c'est mon choix personnel, hein. C'est pas vraiment ce que j'imagine que le jeu va avoir, mais ce que je voudrais voir, en fait, pour moi, serait peut-être genre une base militaire secrète ou des... ou des trucs comme ça. Ah, ça serait cool à visiter. Ça serait plutôt sympathique à visiter. Genre, ouais, une base souterraine, vous voyez, un truc comme ça. Ça serait vraiment cool. Parce que c'est vrai que je suis pas... Enfin, c'est en intrus après aussi. Je suis pas extrêmement fan de rester à l'extérieur comme ça. Moi, j'aime bien quand il y a pas mal de bâtiments. Mais pas genre des bâtiments, juste des maisons et des trucs. Moi, je veux quelque chose. Genre le barrage. Par exemple, le barrage, moi, je le trouve vraiment, vraiment cool. Donc, il commence le vent, se lève, je crois. Ah, le barrage, je le trouve vraiment très, très intéressant. Donc, je voudrais bien avoir plus de bâtiments un peu spéciaux, vous voyez, comme ça. Ce serait vraiment cool. Donc, pour moi, c'est ce que j'attends, j'espère voir. Ou alors, la crique lugubre est pas mal aussi pour le côté ville fantôme, en fait. Donc peut-être un peu le même système, pareil, genre une ville qui est complètement abandonnée, tout ça. Ça peut être intéressant. Après, j'ai vraiment peur que le climat soit pourri. Et j'espère pas, j'espère vraiment, vraiment pas. On est à combien de kilos? 15. J'espère vraiment que le climat va être ok. Genre la vallée charmante, quoi. Oh mon dieu, non, non, pas des tempêtes toutes les 3 secondes. Oh. Non, si c'est ça par contre, honnêtement, je vais être triste. Je vais être vraiment, vraiment triste. Parce que ça va être très, très long à explorer. Encore une fois, en intrus. Ça va être vraiment extrêmement long. Et j'ai vraiment pas envie de ça. J'ai vraiment, vraiment pas envie de ça. Le wagon de la rouge, il est là-bas. Il va bientôt faire nuit. Ouais, mais on va avancer dans la nuit, c'est pas grave. On va peut-être se réchauffer là-bas, mais j'ai toujours mon... Ouais. On va peut-être se réchauffer dans le wagon avant de partir, mais... On va même partir la nuit s'il faut. Hein. Ah, attendez, je vais finir. Clic gauche, clic droit. Clic gauche, clic droit. Hop. Aussi, je fais pas mal de réserves de massettes, si vous avez remarqué. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va prendre un peu plus de massettes que prévu pour aller à la nouvelle zone. Vu qu'on sait pas trop ce qui nous attend, s'il faut, il n'y a pas d'animaux. Par exemple, ça pourrait être quelque chose. Hein. Ça pourrait être quelque chose. Donc du coup, prendre les massettes qui périssent jamais, qui tournent jamais, et qui sont extrêmement légères, ça pourrait être intéressant de faire ça, par exemple. Vous voyez, c'est ça qui est bien dans les nouvelles zones. Vu qu'on connaît pas, on essaye de planifier les choses
au maximum et dans le meilleur des cas, quoi, pour survivre. Donc ça, c'est cool. Donc ouais, on prendra peut-être une vingtaine, une trentaine de massettes. Parce que j'en ai beaucoup maintenant. J'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Ça va pas peser très lourd et on pourra tenir plusieurs jours avec des massettes. Et si on prend des steaks c'est lourd. Ah regardez il fait chaud. Ah peut-être qu'on peut directement partir. Peut-être qu'on peut directement avancer. Mais je pense que ça va se refroidir pendant la nuit, non? Non, je sais pas trop. Si on avait du feu, ça serait bien de pouvoir réchauffer un truc. Mais j'ai pas vraiment envie de refaire un feu maintenant. On a déjà utilisé pas mal d'allumettes. Oh, il nous faut du charbon. On en a combien de charbon? Un seul, je crois, non? On n'a qu'un seul. Faudra vraiment trouver le bon endroit, là. Fait combien exactement? Ça va 1 degré donc ça monte. Si c'était 0 ça monterait pas. Alors là faut faire attention. Si jamais il y a un loup ou un ours. Ok, silence radio. J'entends pas de pas, rien. Ça devrait être bon. Juste pour pas avoir la surprise qu'il soit genre de l'autre côté de la dune. Ouais, c'est toujours la dune, hein, le problème. Mais les dunes, c'est le pire. Ah, bah tiens, du charbon. Très bien. Okay, très bien. Si on pourrait faire du feu pour se faire un cocktail, enfin non, un thé, pardon. Se faire réchauffer un thé, mais j'ai pas vraiment envie. Alors. Hop, hop. Ça. Alors. Ça. Honnêtement, on pourrait balancer les deux. Il est où le couteau? Il est là. Non, mais on va garder. Ouais, non. C'était ça. Manger ça. 68. Ouais, 68. Et c'est à peine 3 kilos, quoi. C'est énorme, parce que 68 fois 150, en fait, de calories. Donc, c'est honnêtement top. C'est honnêtement top. J'ai envie de les mettre par terre, mais ça va être relou, en fait, à les récupérer. Ça va être extrêmement long. On va peut-être pas le faire. Ça, oui. On a 39 kilos. Elle est pas fatiguée, donc on devrait pas avoir de problème. Ça aussi, il faudrait que les jeter, mais il y en a tellement, ça va être galère pour les récupérer par terre. Bon, on va y aller comme ça. De toute façon, on va rien récupérer. On va juste faire la... Ah, merde. On va juste faire le... Mais il est où? Ah, il est là. On va juste faire la photo et on se casse. Ah, déjà, on marche plus vite quand même. On marche un peu plus vite. Ce qu'on va récupérer, c'est les massettes. C'est tout. Si jamais on en a besoin.
jamais, si jamais on en trouve plutôt. Ce qui est bien, c'est que on n'aura pas de problème de combattre, on va pas trembler, il fait chaud. Le vent qui se lève et il fait froid. Et on est à contre-vent. Pourquoi j'ai pas fermé ma gueule, non? Alors maintenant, il faut trouver où exactement le l'endroit pour pas perdre trop de temps. Si on est protégé du vent, on a chaud ou pas? Yes, ok. Parfait. Alors non, là on a la tour, on a chaud. Non, on n'a pas chaud. On n'est pas protégé du vent. Ok, là ouais. On a la tour. Là il y a la grotte, la tour. Je pense qu'on a traversé. Je pense que c'est à la tour. Je pense que c'est à la tour. Parce que ça parlait de la tour sur la photo. Donc on va aller à la tour. Ça doit être là-haut. Si on y arrive sans accro, ça va être cool. Et après on revient au wagon rouge, on dort peut-être au wagon rouge. Genre le temps de se réchauffer. On est bien, on a la dune qui nous protège du vent. Oh! Très bien. Je sais pas par où passer. Je sais pas si ça monte là. Enfin, je sais pas si on peut monter. Je me rappelle plus vraiment. S'il y a des. Il y a un. Non, c'est devant ça. Il y a un endroit où on dirait qu'on peut monter, mais c'est galère, et puis au final on n'y arrive pas. Peut-être en biais on peut, là. Non, on va pas pouvoir. Non, 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 là non, on peut pas. Attendez, on va tester un truc. Peut-être là. Elle va se casser un truc, cette colle. Non, on va pas pouvoir. Non, il faut faire le tour. Non, c'est bien, c'est cet endroit-là. On dirait qu'on peut, mais au final, on peut pas. C'est vrai que le vent s'arrête. J'ai pas envie de trembler, en fait. Ouais, il commence à faire trop froid. Même si on est protégé du vent, on a froid. Vous voyez, ça c'est chiant par contre. Ces endroits-là. Ouais, ok. Ça va être embêtant. J'ai entendu des pas. Ça va être embêtant pour... Ah non, c'est ça, ok. Ça va être embêtant pour faire la photo.
moi qu'on peut passer. Ah mon dieu! Ah c'est agaçant ça des fois. Comment ça? Mais... Ouais, là-bas il y a le cadavre normalement. Je crois. Alors c'est peut-être pas là. Hein. Peut-être fait une erreur. Non, si c'est là. Si c'est là. Il fait combien? Moins 8. Bon, bah let's go. Ça fait un peu mal, mais bon. Voilà, très bien. Explorer vue de Muskegmore. Oh là, tombe pas, tombe pas. Ah, très bien. Ah. On a volé. C'était un peu bête. C'est un peu bête de ma part. Alors, par contre, on passe par là ou on fait demi-tour exactement sur nos pas là? Parce que si on passe par là, on va être sur le chemin de l'ours, je crois. On va voir. Encore des massettes. On a des vêtements qui se sont déchirés, mais c'est pas énorme, énorme, je crois. Enfin, j'ai rien vu dans le rouge, j'ai rien vu dans l'orange. Donc, Encore des massettes là-bas. On va peut-être pas tenter le diable parce qu'il y a un ours quand même. Par contre pour la nourriture, bon on a toujours les massettes un peu à manger si vraiment on veut tenir, mais qu'est-ce qu'on fait? On tue l'ours ou pas? Enfin moi je serais pas contre récupérer sa peau en fait. Alors on va peut-être dormir, se réchauffer et tout ça. Et puis après on va voir pour l'ours. Après c'est vrai qu'il faudrait manger aussi. Par contre, je vais être au-dessus de la dune. Pour le voir. Si jamais on le voit. Alors, ouvre bien les yeux. Ouvre-les bien les yeux. Il est où? Je l'ai pas vu pour le moment. Il faut bien les oreilles. Je crois là. J'ai entendu une sorte de pas ou... Faire attention.
Ok. Ouf. On est bon. Ah, fais voir un peu les vêtements. Non, rien de très grave, ça va. Rien de très très grave. Par contre, il y a la nourriture qui pêche un peu. On va dormir. Zéro. On va dormir. Je l'ai entendu. On va dormir 1 heure ou 2 heures, le temps de se réchauffer. Ouais, il est là. On va dormir 2 heures. Il peut pas nous attaquer dans le wagon. Je suis quasiment positif qu'il peut pas nous attaquer dans le wagon. Surtout qu'il nous a pas senti en plus. Alors. Hop. Très bien, on va dormir 2 heures. Ah, oh, j'ai pas regardé mon eau, merde. On devrait être bon. Ok, elle est à fond. Très bien. On va pas trop boire si jamais on doit prendre des thés. Ok, on est bon, on a chaud, on est nickel. On va voir pour le combattre. Fait pas extrêmement froid, on a une aurore boréale. Je crois toujours là. Je suis pas sûr. Merde, ma flairée. Oh, ok, il est là. Alors, fais voir. Celui-ci, c'est pas le top, en fait. C'est pas vraiment le top. Ok, il a l'air sert pas mal, là. Non, c'est pas bon. Ah! Parcours! Ok, on va attendre qu'il vienne. Il peut pas venir là, il peut pas venir. À moins qu'il saute entre les deux, ce que j'ai. Bien, genre il fait ce que j'ai fait, mais ça m'étonnerait. Ouais. Fait chier. Ah. T'es sérieux? En plus, il va dans cette direction, t'es sérieux? Waouh! Vous le voyez courir? Ah, la musique qui s'arrête comme ça, d'accord. Bon bah. Bon bah on se casse. Bon bah à la limite je le ferai solo hein. On va se réchauffer quand même 1 heure. Bah à la limite je le ferai solo. Ah peut-être que dans l'heure il va peut-être revenir. On va voir s'il est aux alentours. Sinon on se casse hein, sinon on s'en va. On va tout récupérer. On n'a rien oublié. On est à 40... Ouais, 46, non, c'est bon. Bon, allez, on rentre. Si jamais on le voit et qu'on a une opportunité de le combattre, on le fait. Sinon, non. Qu'il soit revenu. Enfin, pas vers le wagon en tout cas.
Ah, c'est pas là, il est pas là. Là. J'arrive pas vraiment à distinguer en fait quand il fait sombre. Non. Non, c'est rien que du bois. Des troncs d'arbres, c'est cool. Bon après, comme j'ai dit, on en a pas vraiment besoin. J'ai encore, je crois, trois pots d'ours. Donc honnêtement, c'est nickel. Mais non, ouais, je serais pas contre quand même me le faire. Pour en avoir une de plus. Comme j'ai dit, à chaque fois, c'est le problème, c'est le séchage. C'est 10 jours de séchage à chaque fois, c'est long. Hein. Très très long. Ouais, je le ferai solo, je pense. J'irai le faire solo. Donc on va rentrer. Donc on rentre à la maison. Je pense que quand on sera à la maison, ce sera donc la fin de notre épisode. Alors, à ce moment où je fais l'épisode, c'est fin novembre. Je pense que je vais attendre un peu avant d'enchaîner sur un nouvel épisode, parce que on sait pas vraiment quand sort la nouvelle map. Est-ce que c'est en début décembre, est-ce que c'est en fin décembre, etc. Donc quand on aura peut-être eu un indice des développeurs, ou alors peut-être la date précise exactement de la mise à jour, je déciderai si on repart dans une aventure, ou j'attends tout simplement en fait la sortie de la nouvelle map et on fera la nouvelle map. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on soit prêt en fait pour partir. C'est ça que je veux. Je veux pas que la map sorte pendant qu'on est en aventure, comme j'ai expliqué au début de l'épisode. Parce que là, on a fini notre petite aventure de faire des têtes de flèches, donc c'est nickel. C'est joli hein, comme ça quand c'est allumé, hein, les ponts. Hein. C'est vrai que je suis jamais venu quand c'était allumé, mais c'est vrai que c'est sympa. Hein. C'est vraiment sympa. Donc voilà, comme j'ai dit encore une fois, je veux pas être en pleine aventure. Donc je vais peut-être arrêter, enfin faire une petite pause, attendre. Et si jamais, bon, ils disent que la mise à jour sera pas avant genre fin décembre, bah, on fera une autre petite aventure, hein, on ira autre part. Hein. On se débrouillera. Hein. Le temps de... Juste pour faire passer le temps, quoi, en gros. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait aller essayer de trouver plus de Polaroid. Ça pourrait être une solution. Par contre, il faudrait que je regarde exactement où est-ce qu'on a trouvé les nôtres de Polaroid. Donc, faudra chercher les autres. On pourrait faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Chercher des bois pour des fûts de flèches. On pourrait faire ça. J'avais envie de retourner à l'autoroute côtière, peut-être. Aller dans dans le haut de l'autoroute côtière, en fait, dans les forêts et tout ça. J'ai pensé à ça. Voilà. Tout va bien. On a des trucs... Des fois, ça fout les boules quand même. Donc, on a des choses à faire quand même. Ouais, on a des petits trucs à faire pour passer le temps. Mais là, ça va être bien. Là, on rentre à la maison. Moi, je vais faire une petite pause. Je vais peut-être, par exemple, crafter un autre arc. Genre, parce que je crois que j'en ai plus à 100%. Vu que j'étais parti en aventure avec celui qui était à 100%. Comme ça on partira avec un qui est complètement neuf pour la nouvelle zone. On prendra une vingtaine de flèches, j'imagine. Une vingtaine, peut-être une trentaine, je sais pas, on verra. Des massettes, comme j'ai dit. On ira avec le bœuf de bien nourri. On ira...
On sera préparé, quoi. On sera préparé. En plus, nouvelle zone veut dire potentiellement nouvelle trouvaille, évidemment. Hein. Genre les champignons et tout ça, on pourra en refaire encore un plein. Sûrement. Est-ce qu'ils vont rajouter des nouveaux objets? On sait pas. Des nouvelles nourritures, nouveaux trucs. On sait pas. Donc peut-être. C'est joli comme ça, quand on arrive. Avec la lumière et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment opportunité, quoi. C'est ça. Tout plein d'opportunités, qui s'ouvrent en fait. Grâce à la nouvelle zone. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. On va laisser ça comme ça. De toute façon, je rangerai quand. En dehors des épisodes, là, on va laisser le bois par terre. Bah, je rangerai en fait quand il fera jour, parce que là sinon ça va être relou. On va juste prendre à manger. On va juste prendre à manger tranquillement. Et on va dormir, ça sera la fin de notre épisode. Bah du coup on n'a pas vraiment combattu de... Oh regardez-moi toutes ces massettes, oh là là. On peut pas les ranger à la maison. J'avoue que c'est un peu relou en fait de les avoir par terre comme ça. Là on a ça, là on a le métal, là on a les arcs, ah, on peut peut-être les mettre là. Nourriture. Transférer tout, bah attendez, de toute façon on va en récupérer dehors. Ah, vous voyez les arcs, ils sont tous abîmés en fait, je les ai tous utilisés. Ah, parce que récupérer des choses comme ça, c'est extrêmement relou. Et puis c'est compliqué de voir le nombre d'objets qu'on a en fait. Comme j'ai dit, hein, si jamais on pouvait crafter des compartiments, ça serait vraiment bien. Il y a un jeu qui le fait bien aussi, par exemple, c'est The Forest, je crois. Je suis sûr que beaucoup de gens connaissent. Genre par exemple pour transporter ou mettre de côté genre des troncs d'arbres par exemple. Vous pouvez crafter des choses en fait pour garder les troncs d'arbres. Genre pas des véhicules mais des endroits pour les entreposer. Honnêtement il y a plein de trucs comme ça. Donc ça serait, honnêtement dans The Long Dark ça marcherait vraiment vraiment bien. Garder 10 comme ça. Ça marcherait vraiment vraiment bien dans The Long Dark d'avoir de pouvoir crafter des compartiments. On va prendre de l'eau aussi. On va prendre un deuxième steak. Genre des racks pour... c'est comme ça qu'on appelle ça? Pour se faire sécher les pots. Au lieu de les mettre par terre, genre qu'on puisse les étendre et tout, ce serait vraiment stylé. Genre qu'on puisse les mettre au mur ou des trucs comme ça. Non, franchement, ça manque de craft dans le jeu. Ça manque d'un petit côté craft comme ça. J'espère qu'un jour ça arrivera, mais... Mais ça manque. Ça manque, ça manque. Ouais, ça je ferai le tri de l'inventaire et tout ça. Les têtes de flèche, pareil. On va juste dormir et voilà. Ça sera la fin de notre épisode du coup. Donc moi je vais faire une petite pause, le temps de... Enfin, pause entre entre deux épisodes, c'est ça que je veux dire. Le temps de remettre genre tous les vêtements à 100% parce qu'ils sont un peu abîmés. Peut-être que je vais aller chasser un autre loup ours parce que je voudrais bien qu'on parte en fait avec les vêtements à 100% ou alors à 95+. Mais aussi il faut le sac de couchage. Il faut qu'il soit aussi à 95+. Je vais peut-être utiliser toutes les peaux d'ours, donc on va devoir aller chasser de l'ours. Après, je peux faire peut-être un petit montage de chasse à l'ours. Genre, je prends juste la chasse à l'ours, en fait. Ça peut être marrant, genre chasse à l'ours de plusieurs zones. Ouais, ça peut être cool, ça. On verra. Il y a plein de flèches à crafter.
Je voudrais bien pouvoir toutes les crafter en fait, genre les 47 là. Donc faudra faire ça, ça va prendre beaucoup de temps. Je vais sûrement devenir fou aussi dans la cabane, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais ouais, ça s'annonce bien. Donc le prochain épisode après celui-là maintenant, ce sera ou la nouvelle zone, ou alors peut-être comme j'ai dit, je vais peut-être faire un petit montage de chasse à l'ours, genre de plusieurs différentes zones. Et si jamais on a la date de la sortie de la nouvelle map, de la mise à jour, on verra. Ou on fera directement la nouvelle zone, ou alors ça sera sûrement encore une toute petite aventure pour passer le temps. Mais voilà. Donc ça sera tout. On va manger et on va dormir. Ah ouais, quand même. On va prendre le dernier steak, hein. À part que j'aille chasser aussi. On n'a plus rien à manger. À part les massettes. On n'a plus rien à manger. Donc ouais, ça s'annonce bien. Pour The Long Dark, ça s'annonce bien. J'espère qu'on aura peut-être des nouvelles mécaniques, des nouvelles armes. Ça serait cool. Si jamais il y a des nouvelles armes qu'on n'a pas en intrus, ce que je ferai, je lancerai une petite partie en normal et on verra. Et je foncerai à la nouvelle zone pour montrer un peu les choses. Mais j'espère qu'ils vont pas faire ça parce que sinon ça va me rendre triste. Mais ouais, j'espère qu'il y aura des nouvelles choses. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Passez tous un très bon week-end, très bonne semaine. Merci infiniment de suivre cette petite série. Nous, on va dormir et à la prochaine pour peut-être la nouvelle map, peut-être Massacre d'ours parce que on est un humain. Eh oui. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.